Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, merci d'être venus si nombreux pour ici, Nombre de Gosse. C'est très bien, et en plus, vous avez de la chance parce que vous avez de grands artistes sur scène. Alors, vous savez que très souvent, on accuse les magiciens d'utiliser des objets truqués. C'est la raison pour laquelle je vais faire un tour de magie avec quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me prêter un billet de 500 euros, par exemple? Évidemment, à chaque fois, c'est la même réaction. Non, je vais faire quelque chose. Je vais essayer d'emprunter un objet. Est-ce que je peux avoir un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Merci. Alors, je vais essayer d'emprunter un objet. Voyons voir quelque chose de sympa, de bien visible. Peut-être, je ne sais pas, un portefeuille, une bague, un sac. Ouais, non, je ne sais pas. Je vois quelque chose qui n'est pas courant. C'est une cravate que vous avez, monsieur, là-bas. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Est-ce que je peux emprunter à l'autre? Vous avez confiance? Vous avez peur? Jamais faire confiance aux amis. Jamais! 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 Sinon, bon, d'accord, je veux bien. Et là, je vais voyons voir. Tiens, je vais avoir besoin de quelqu'un d'autre qui vienne avec moi. Ah, je voyais une belle brochette de début, là, j'adore ça, c'est très bien. Est-ce que je peux prendre une m'accompagner? Vous venez avec moi. Si, vous venez avec moi, venez. Venez. Voilà, venez. Moche, je sais bien. Franchement, excusez-moi, parce que c'est un cadeau de notre femme, c'est vrai? Marqué, j'ai vu les mêmes chez Totosol. C'est pas mal, hein? Ah non, non, c'est une marque, excusez-moi. C'est la marque Paul Polyester. C'est pas mal. Bon, on va faire un jeu, tous les deux. Est-ce que vous connaissez le jeu du Jacadi? Très bien. Alors, au lieu de faire le jeu du Jacadi, on va faire le jeu du Tanguyadi. Autrement dit, quand je dis Tanguy a dit, vous faites, quand je dis pas Tanguy a dit, vous faites pas. C'est ça, hein? Alors, garde aussi ce que le prenez les séquences. Oh, je sais ce que vous allez penser, pas du tout. Tanguy a dit, montrez les ciseaux au public. Tanguy a dit, ouvrez les ciseaux. On va se mettre un peu au milieu. Tanguy a dit, ouvrez les ciseaux. Très bien. Tanguy a dit, fermez les ciseaux. Tanguy a dit, ouvrez les ciseaux. Tanguy a dit, fermez les ciseaux. Tanguy a dit, tournez-vous vers moi. Tanguy a dit, ouvrez les ciseaux. Vers moi. Vers moi. Tanguy a dit, approchez. Et maintenant, coupez. Alors, j'ai pas dit Tanguy a dit, donc... j'ai pas dit Tanguy a dit. Je vous ai dit, quand je dis Tanguy a dit, vous faites. Quand je dis, non, vous faites pas. Monsieur, c'est pas moi, hein. vous êtes témoin. C'est un jeu, c'était pour rigoler. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Bon, attendez, allez, on finit. Écoutez, ça vous fera un cadeau, je vous ferai un petit paquet de cadeaux, ça vous fera un souvenir de cette merveilleuse soirée. Ben, allez, continuez. Allez-y. Voilà, mais maintenant, tant qu'il y a dit couper, de toute façon, on va vous couper. Alors, franchement, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, cette cravate est entière. En fait, elle est en trois tiers. D'accord? Alors, vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un petit papier cadeau pour monsieur. Quel est votre prénom, vous? Vous marquez d'un autre côté, c'est pas vous qui avez choisi. Donc, bon, on va vous en couleur. D'accord. Alors, regardez, on va mettre les bouts comme ceci. Les bouts comme ceci. Voilà. Et on va faire un petit papier cadeau. Ça vous fait un beau souvenir, monsieur, hein? Peut-être vous pouvez mettre dans un cadre. Ce sera original. Vous vous souviendrez de cette soirée, j'en suis sûr. Et votre femme aussi. Alors, on va faire un beau paquet cadeau. Alors,
avez une cellule de femme, vous le tenez. Non, 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 j'ai pas encore la coupée, ça va. Non, 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 on n'a plus besoin. Voilà, prenez les deux morceaux de ficelle, vous faites un petit nœud, au milieu. Encore, ouais, encore un autre. Voilà, super. Voilà. Alors maintenant, pour que le tour soit vraiment magique, qu'est-ce qui manque? On a deux solutions. Soit faire disparaître ou la brûler. Hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est que, attendez, je vais essayer de trouver un. Ah, ben, j'ai un briquet ici. Alors, prenez le briquet, comme ceci. Et je vais vous demander d'allumer la petite ficelle ici. Attention. Et bonne soirée à tous.